Ah ouais, alors là franchement, cette petite intro, ça nous met direct dans l'ambiance. Salut à toutes et à tous, c'est Setsky. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le vidéo test d'un bon petit jeu d'action plateforme aventure, exploration, etc. 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 qui est, je pense vouloir connu pour certains, une parodie de Indiana Jones. Ah, notre bon petit indie, hein, bon... Enfin bref, bon voilà, on se retrouve donc pour le vidéo test de Quackshot, sorti en 91, édité par Sega, ou développé par Sega, je sais plus. Ouais, bon là c'est vraiment l'une des premières fois où je me renseigne pas avant de faire un vidéo test, et ça me ressemble vraiment pas. Enfin bon bref, on va commencer, donc là c'est les options, hein, pour régler les touches de la manette, le son, etc. Vous connaissez le truc, et on va débuter la partie. Oui, donc voilà, bon, l'histoire, hein, c'est que voilà, Donald trouve une carte au trésor et du coup a envie de faire comme Indiana Jones qui est son idole, voilà, voilà, et du coup il y a ses petits neveux qui vont l'aider. Et c'est... bah voilà. Et donc là on se retrouve sur une carte où on peut choisir les niveaux qu'on veut faire. Donc on a pour commencer Canarbourg, puis le Mexique, puis la Transylvanie, et on pourra en débloquer plus au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. Il faut déjà pour commencer à aller à Canarbourg, ou alors Donaldville, ou alors Duckburn, ou enfin comme vous voulez. Attends, est-ce que j'ai bien réglé? Ouais. Donc dans ce petit jeu d'action plateforme, on contrôle ben, notre ami Donald qui peut balancer des débouchiottes, ou peut-être pour le faire moins vulgaire, des ventouses, voilà. Donc on en aura de différentes sortes, hein, des jaunes comme celle que j'ai là, des simples qui vont immobiliser les ennemis pendant un petit moment, démonstration, et oui, hein. On va quand même pas faire de la violence, hein, dans un jeu Donald, hein, ce serait quand même, ou dans un jeu Disney en général, ce serait quand même vraiment affreux de leur part. Et voilà, on aura ensuite plus tard, et je pense même que vous allez le voir dans la vidéo, des ventouses rouges, et après des ventouses vertes, voilà. Donc les ventouses rouges qui s'accrocheront au mur et qui nous permettront bah, d'atteindre des endroits inaccessibles lorsqu'on les a pas, et les vertes pour s'attacher à tout ce qui est piaf, etc. Enfin les oiseaux, quoi. Donc là je récupère des piments qui vont permettre lorsque j'en mange un de changer petit à petit l'humeur de Donald, et lorsque la barre de d'humeur est remplie, voilà ce qui se passe. Attention, super vitesse de Sonic the Hedgehog. Ah là 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 là, Sonic the Hedgehog n'a qu'à bien se tenir. Voilà, bon, c'était épique. Donc voilà voilà, donc qu'est-ce que je pourrais dire déjà. Ouais bon, là c'est un mec qui me dit que je dois aller en Égypte, au Mexique pour aller chercher une clé, ou non, des ventouses pour aller plus loin, bon enfin voilà. Et donc voilà, donc là lorsqu'on est près d'un de ces petits drapeaux là, ben on peut appeler les neveux de Donald qui vont venir nous chercher en avion pour aller dans une autre ville, voilà. Donc ça sert de checkpoint et à la fois de petits, enfin d'endroits pour appeler les neveux de Donald, voilà. Bon, sinon il faudra quand même que je me décide à parler des points principaux du jeu, je vais dire. Donc déjà, première chose, graphiquement c'est magnifique, voilà. Voilà, graphiquement c'est vraiment un jeu magnifique. Alors là franchement, Disney ont toutes mes félicitations, c'est vraiment un jeu magnifique, même si il y a quand même quelques défauts. Bon après hein, peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais oh punaise. Mais quand même graphiquement faut dire qu'il y a quelques défauts. Déjà, on va dire pour ce qui est de les effets de profondeur, vous pouvez voir tout au fond de. Enfin en arrière-plan quoi. Vous pouvez voir qu'ils ont essayé de faire un effet de profondeur. Là vous pouvez voir qu'il y a les cactus qui décorent, qui défilent en même temps qu'on bouge et tout. Donc enfin en arrière-plan. Donc voilà, ça donne un petit effet, on va dire, de 3D assez sympa. Mais et avec même avec les nuages et tout. Mais le problème c'est que vous pouvez voir que le canyon vraiment tout au bout de l'image d'arrière-plan, et ben ne bouge pas. Et donc ça je trouve que c'est quand même un problème, parce que si on veut vraiment donner l'effet d'une sorte de 3D, etc., bah il aurait fallu faire bouger tout le décor en arrière-plan et pas seulement les cactus. C'est ça que je trouve dommage. Mais bon,
Voilà. Et aussi, autre petit mécontentement personnel, c'est que Donald, je le trouve, est moins bien animé qu'un autre jeu développé par Sega et Disney, sorti une année plus tôt, donc qui est Castle of Illusion Steering Mickey Mouse, que vous avez déjà testé. Par contre, je pense que peut-être pas mal de personnes seront d'accord avec moi pour dire que Donald est moins bien animé que Mickey, et ça vraiment c'est dommage, surtout que le jeu est sorti une année après, donc voilà quoi. Alors que même qu'on bougeait pas, Mickey lui voilà, il trouvait toujours un moyen de se dandiner un petit peu, etc. Voilà, c'était mignon. Donald, on va pas dire qu'il y a forcément beaucoup d'animation. Par exemple, lorsque on tombe dans un trou, c'est la même animation que lorsqu'on saute. Enfin voilà quoi, il y a plein d'animations qui se ressemblent, donc c'est dommage. Enfin c'est juste ouais, c'est juste pour ça que c'est juste ça qui me gêne un peu, mais bon. Voilà, donc mais sinon graphiquement c'est très beau, les bon les animations sont assez fluides même s'il y en a pas beaucoup. Voilà. Donc là, ah oui, aussi pour je vais peut-être classer ça dans la durée de vie, c'est que voilà, c'est que il faudra comme vous avez pu vous en apercevoir, retourner parfois dans des villes qu'on a déjà visitées avant pour pouvoir aller plus loin dans une autre ville après. Par exemple, là, j'étais bloqué au Mexique, il y avait un temple qui refusait de s'ouvrir, du coup je devais retourner à Canarbour pour trouver prendre une clé pour pouvoir entrer ensuite dans ce temple justement. Ouais, utiliser la clé, oui. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le jeu n'est justement n'est pas trop linéaire. Enfin peut-être pour les niveaux, pour atteindre la fin du niveau, peut-être que. Enfin bon voilà, il faudra peut-être toujours prendre le même chemin. Mais sinon pour. Enfin voilà, que ça donne vraiment un petit effet exploration lorsqu'on est obligé de retourner dans les précédents niveaux pour pouvoir plus avancer dans les suivants. Voilà. C'est ça que j'ai très apprécié. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Oh punaise. Voilà, donc là on est dans un temple mexicain. L'ambiance est là. Oh putain. Par contre c'est assez difficile de viser avec les ventouses. Enfin c'est peut-être moi qui suis pourri, hein, mais bon. Voilà. Donc ensuite la bande son. Voilà, hein, de très bonne musique, très entraînante, et qui nous met bien dans l'ambiance, comme par exemple cette musique voilà, qui nous met bien dans l'ambiance du temple mexicain, voilà, oulala, ça fait peur. Voilà, ça nous met dans l'ambiance, c'est bien, voilà, les musiques sont bien, sont franchement pas mal. Oh punaise. Et donc voilà, c'est pour ça que je mets une très bonne note pour les musiques, enfin voilà, c'est un très bon point du jeu. Pour la durée de vie, bon, malheureusement, c'est dans ce jeu-là... attends, ouais, voilà. Dans ce jeu-là, on ne peut pas sauvegarder, donc c'est ça que je trouve dommage, mais bon. Voilà, sinon le jeu, pour la durée de vie, je pense pas qu'il doit être trop long, enfin, si, un petit peu quand même, mais... Ah bon, voilà. Et bon, le jeu n'est pas trop dur non plus, donc voilà, c'est adapté, on va dire, pour les... pour les 6-99 ans. Non, je rigole. Bon... Bon, enfin voilà, pour les personnes à peu près de mon âge, j'ai envie de dire. Voilà. Et voilà, enfin c'est pour, franchement c'est pour tous les âges, et puis voilà, c'est pas trop dur, hein, vous allez pas trop galérer je pense. Et voilà, et surtout si vous aimez les jeux d'action, plateforme, ce Quackshot est fait pour vous. Ouais. Alors ouais, par contre là je suis pas super fort non plus. Voilà. Voilà, donc là normalement je devrais bientôt arriver à un endroit clé du jeu. Donc là normalement je devrais rencontrer Dingo. Dingo ou Goofy en version américaine, voilà, qui va me donner les ventouses rouges, qui voilà, bon j'ai un peu passé les conversations, hein, et qui pourront me permettre de faire ceci, voilà, d'accrocher les ventouses au mur
pour pouvoir grimper au mur. Et du coup, c'est ce qui pourra nous permettre de retourner à Canarbourg et de continuer plus loin dans le niveau. Et voilà, c'est pour ça que je reviens encore une fois à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'il faudra parfois avoir de nouvelles facultés pour avancer, pour plus avancer dans les niveaux. Et c'est ça vraiment que j'ai apprécié dans ce Quackshot. Voilà, et là, j'ai presque plus de vie. Voilà. Par contre, là, faut vraiment que je fasse attention parce que... enfin, j'ai dit que le jeu est pas trop dur. Franchement, c'est... je vous assure que c'est vrai, le jeu n'est pas trop dur. C'est moi qui suis une grosse merde, en fait. Mais bon, voilà, ouais, donc j'avance. Allez, on essaye de faire attention quand même. Voilà. Parfait. Donc là, par contre, je sais pas dans les combien de minutes je suis. Là, enfin, je sais pas. Je sais pas combien de temps j'ai filmé pour l'instant. Ouais. Voilà, parfait. Ouhou. Et donc bah voilà. Et j'ai parlé des graphismes, de la durée de vie, de la bande son. Ouais. Oh non. Putain, je suis nul. Je suis nul. Bon, qu'est-ce que je fais? Je fais un avance rapide ou... Bon allez, je vais essayer de me concentrer. Vu que là j'ai toutes mes vies, ça tombe très bien. Allez, on essaie d'accélérer un peu. Allez, on s'en moque, on s'en moque, on s'en moque. Allez, nous sommes invincibles. Nanana, nanana. Et donc voilà, j'ai pas... Oh, purée. Voilà, punaise. Voilà, donc bande son, durée de vie, graphisme. Gameplay, j'en ai parlé vite fait, hein, qu'on aura trois types de ventouses. Hein. Et voilà, que les piments et tout, j'en ai parlé de tout ça. Allez, ouais, juste petit bémol, c'est que Donald saute pas forcément très très haut. Enfin bon, après, c'est moi qui dis ça. Voilà, donc là, franchement, je crois que j'ai tout dit. Hein. Bon, il n'y a pas forcément... grand chose à dire sur ce jeu hein. Mais enfin bon, c'est pas dans le mauvais sens du terme hein, parce que ça, enfin voilà, ça reste quand même un jeu d'action plateforme classique, donc voilà, c'est pour ça que plus des jeux d'action plateforme, des gens, je vous en ai testé des milliers, donc voilà. Et voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là hein, puisque de toute façon je vous ai à peu près tout dit. Donc voilà, je retourne à Canarbourg, c'était juste pour vous montrer qu'on peut avancer avec les nouvelles ventouses. Voilà, j'accroche les nouvelles ventouses au mur et je continue, voilà. Alors là, franchement, j'ai vraiment aimé ça. Bon, et ben voilà, on va s'arrêter là. C'était Setsky pour un vidéo test de Quackshot sur Mega Drive. Un très bon jeu d'action plateforme. Si vous aimez l'action plateforme ou les jeux Disney en général, je vous conseille ce jeu. Vous le regretterez pas, je vous assure. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à toutes et à tous, voilà. Pourquoi je dis voilà à chaque fois? Enfin bon, on s'en fout. Salut à toutes et à tous.